Ça fait des années qu'on en parle toutes les semaines. Au moins 5 fermes cessent leurs activités au Québec. Les coûts de production sont élevés, la concurrence est forte. Ce n'est pas tous les enfants qui veulent nécessairement récupérer la ferme familiale. Les milieux urbains ne cessent d'empiéter aussi sur les espaces agricoles. Ce n'est pas tout noir, cela dit. Au contraire, il y a quand même des histoires de réussite, mais il y a des défis qui sont très importants. Et dans tout ça, il y a une éclaircie, un modèle qui se développe de plus en plus, celui du jardinier maraîcher qui mise sur une grande proximité, sur une agriculture de proximité à l'échelle humaine, biologique. Et un livre, d'ailleurs, vient de paraître sur ce sujet, un manuel, en fait, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans ce type d'agriculture. Ça s'appelle « Le jardinier maraîcher » et c'est publié chez Éco-Société. Son auteur est notre invité ce soir, Jean-Martin Fortier, qui est auteur, mais qui est surtout agriculteur et jardinier maraîcher. Bonsoir. Bonsoir. Fermier de famille, en fait. Fermier de famille. Oui, fermier de famille. Alors, pourquoi fermier de famille? Bien, parce que moi, mon travail à moi, c'est de fournir en légumes des gens qui veulent s'approvisionner avec une agriculture biologique et locale. Donc, c'est mes seuls clients. Moi, je travaille pour eux à produire des légumes que je vends, distribue chaque semaine à ces gens-là. Mais là, ce que vous avez produit, c'est un livre. Oui. Pourquoi vous avez décidé de faire ce livre-là? Bien, ça fait plusieurs années que je travaille avec Équiterre à essayer d'outiller les jeunes qui démarrent des projets agricoles. Puis depuis le début, je sentais qu'il y avait quand même un besoin de peut-être transmettre certains savoir-faire qui n'étaient peut-être pas assez connus. Et puis, j'ai toujours pensé qu'un maraîcher était peut-être la meilleure personne pour expliquer sa méthode, ses techniques. Donc, c'était un peu ça la genèse de mon idée, de dire, je pense que ça prend peut-être un maraîcher qui vient expliquer comment faire à d'autres. Et qui vient expliquer aussi que c'est rentable, ce modèle-là. Parce qu'on sent une conviction, on sent le désir de vouloir transmettre un savoir, une expérience, mais de dire aussi, c'est possible de faire ça puis de bien vivre de ça. Oui, bien, ce qui est particulier avec mon modèle agricole à moi, c'est que je cultive moins d'un hectare, donc un acre et demi, c'est l'équivalent d'un peu plus qu'un terrain de football. Ça, en agriculture, c'est déjà quelque chose d'assez hors du commun. Puis vous vivez de ça? On vit de ça, ma femme et moi, on a un employé payé. Et puis, on réussit à bien en vivre quand même depuis longtemps, même que la Financière agricole du Québec, elle avait reconnu nos rendements économiques il y a quelques années déjà. Elle nous avait décerné un prix en conséquence de tout ça. Et vous expliquez dans le livre comment vous faites, parce que vous avez aussi développé un modèle pour exploiter votre terre qui fait en sorte que vous êtes extrêmement efficace dans votre approche de la terre. Oui, bien, l'efficacité, c'est un bon mot. On est efficace, puis c'est ça, on a différentes techniques culturelles qui nous permettent de vraiment d'intensifier notre production. Nous, à un moment donné, à la croisée des chemins, quand on a voulu s'établir en agriculture, on s'est dit, parce qu'au début, on avait vraiment un potager, là, on faisait des potagers puis on vendait des légumes, on s'est dit, quelle route on veut prendre? Puis finalement, c'était pas nécessairement celle d'avoir une opération mécanisée de grande envergure avec un entrepôt puis un parc de machinerie. On voulait continuer avec des outils manuels, mais on voulait être rentable et profitable, bien évidemment, pour payer la ferme. Donc, on a intensifié notre production, un peu comme on fait dans les serres. Puis, on a décidé d'avoir une approche parce qu'on essaie de faire mieux au lieu que faire plus gros, puis avec des bons résultats. Mais vous produisez plus quand même. Vous réussissez quand même à produire énormément. Vous êtes un modèle de productivité. Oui, bien quand même. On est très efficace. Puis, c'est ça, on réussit à nourrir le plus de 200 familles sur notre hectare en production. C'est incroyable quand même. Puis, c'est ça. Vu qu'on fait de la vente directe, ça nous permet de dégager un revenu suffisant là, pour arriver à en vivre. Et là, arriver à en vivre, c'est aussi le choix d'un mode de vie. Vous avez fait, vous, des études en environnement, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez visité beaucoup d'installations également. Tout ça dans l'objectif d'en développer un mode de vie. Oui, bien oui. La vie à la ferme, c'est ça. En effet, ça, c'est un mode de vie. Mais on a toujours aimé le fait que nous, l'hiver, on a un temps de répit. Ça fait partie là, du fait que l'été, on est capable de vraiment donner un bon coup pour la production. Mais oui, c'est tout ancré dans une philosophie. Nous, vraiment, on est passionnés. Puis l'agriculture biologique, c'est au cœur de nos valeurs depuis longtemps. Vous parlez de retour en avant. C'est l'expression que vous employez, retour en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, je pense que de plus en plus de jeunes, ça les intéresse de vivre à la campagne. Puis quand ils voient des jeunes comme moi et d'autres qui réussissent à bien en vivre avec des fermes à échelle à dimension humaine, moi, je pense que ça va les motiver de dire, moi aussi, ça m'intéresserait peut-être d'avoir un travail qui est à la campagne. Puis ça se voit partout ailleurs, là, des exodes urbains, de gens qui font des retours. Puis l'agriculture, c'est un bon métier pour faire ça.
Moi, je pense que dans le futur, les fermes vont peut-être redevenir un peu fortunées, puis l'agriculture locale a beaucoup de chances de se développer à ce niveau-là. Vous évaluez que ce n'est pas extrêmement coûteux se lancer, d'ailleurs, dans cette aventure-là. Vous avez préparé même un tableau, parce qu'il faut dire que dans le livre, il y a beaucoup de tableaux puis de graphiques, parce que ça prend énormément d'organisation et de discipline de faire ce que vous faites. Mais une fois que tout est bien organisé, là, ça va bien. Mais vous évaluez à 36 000 $ pour se démarrer un jardin maraîcher. Oui, ça, c'est les outils, les équipements que nous, on utilise pour cultiver. Ce qui en fait est presque pas grand-chose quand on compare au chiffre d'affaires qu'on peut avoir sur les 4 ou 5 premières années de production. Donc ça, c'est une des grosses barrières en établissement quand on parle là, des jeunes et de l'agriculture, c'est le coût d'achat pour soit reprendre l'entreprise familiale ou acquérir les biens, les bâtiments, les outils de production. Ouais. C'est tellement élevé qu'avec un modèle de jardin maraîcher, où est-ce que c'est des outils manuels qu'on utilise, on n'a pas de tracteur, on utilise un motocuteur commercial, bien, on élimine cette barrière-là. On peut commencer comme ça. Puis souvent, après ça, les gens ils vont décider est-ce qu'ils veulent continuer là-dedans, est-ce qu'ils veulent démarrer leur ferme, puis après ça devenir plus gros, ou faire comme nous, rester petit. Nous, c'est le choix qu'on a fait, puis ouais. C'est ça. C'est le fun. Oui, c'est rentable, c'est profitable. Et un des outils que vous avez, on va terminer là-dessus, c'est la grelinette. D'ailleurs, c'est le nom de votre ferme à Saint-Armand, dans les cantons de l'Est. Ouais. Un outil qui donne des bras un peu. Hein? Oui, bien, c'est un outil éreintant dans un sens, mais en même temps, c'est un outil manuel qui nous permet de faire un travail de sol important dans nos jardins. Fait que c'est... Bon, tous les détails sont là, de toute façon, et sur les outils, et sur les techniques, et également sur les légumes, parce qu'on parle du chou-rave, on parle du radis, tout est là-dedans. Là. Ouais. Donc, pour le jardinier maraîcher qui veut se lancer, comme pour le jardinier en herbe à la maison. Oui, le jardinier amateur, lui, il va trouver tous les trucs d'un professionnel. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Puis la personne, elle, qui veut démarrer un projet d'agriculture biologique, bien, elle va avoir une démarche, un guide pour l'aider là, dans son aventure. Merci, Jean-Martin Fortier. Merci. Merci beaucoup.